Fatoumata. Oui, je suis en écoute. Dites-moi, j'ai une question, excuse-moi. Mm-hmm. Vas-y. Pourquoi les filles d'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas fidèles? Vous n'êtes pas fidèles. Pourquoi? Mais c'est... Ah, la, votre question sera la bienvenue. Mais quand tu me demandes avec cette question, ma réponse sera simplement, c'est l'homme qui rend la femme infidèle. Comment? Parce que toute chose dépend de vous. Tu peux sortir avec un homme, il ne te satisfait jamais. Si ce n'est pas seulement te frapper devant la masse, te faire voler. Finalement, quand tu auras quelqu'un qui t'aime, finalement, tu sortiras avec lui. Bon, la question, ma question aussi, c'est de te demander pourquoi, à l'heure-là, les hommes d'aujourd'hui veulent connaître toutes les jeunes filles du monde. Non, pas toutes les jeunes filles du monde. Pas toutes les jeunes filles. Mm-hmm. Mais un homme, quel que soit l'amour, quel que soit son ambition sexuelle, n'a pas besoin de sa soeur, n'a pas besoin de sa nièce, n'a pas besoin de sa tante. Nico. Mon frère, je t'ai pas coupé la parole. Mais quand tu me demandes, je vous ai bel et bien dit, j'ai dit, pourquoi les hommes d'aujourd'hui veulent sortir, veulent coucher avec toutes les jeunes filles dans la vie. C'est que la question là, ne fait même pas lien avec sa soeur, ni de sa maman. La question est très loin dans ça. Nous sommes sur l'éducation des jeunes filles. Donc, j'aimerais savoir, question que je vous ai posée, j'aimerais savoir la réponse. Mais les hommes n'empêchent pas l'éducation des jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle. Et ce siècle-là, je ne comprends pas comment vous, les filles-là, comment vous voulez vous comporter. On dirait que le siècle-là est venu avec des fardeaux d'infidélité, de mauvais comportements envers les vis-à-vis des filles. Mais mon frère, actuellement, là, les mauvais comportements, presque quand tu me demandes, je vais dire, c'est les hommes, à l'heure là maintenant, qui s'est instauré dans ça. Parce que tu peux voir un homme bandit là-bas, il te kidnappe, de rien à cause de tes objets. Pourquoi ça? Pourquoi oui, vous ne prenez pas du sérieux? Non, ça c'est pas... C'est que ça fait partie de l'actualité. Donc je voulais savoir pourquoi ça. J'ai dit non, pas l'éducation des jeunes filles. Nous, on n'a pas notre contribution de boycotter vos éducations. Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, excuse-moi du terme, excuse-moi que je m'exprime très bien. Les filles d'aujourd'hui aiment l'argent facile. Les filles d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Les filles d'aujourd'hui veulent s'habiller comme les Américains, comme les Occidentaux. Mais quand une fille, tu me laisses parler. Je ne vais pas couper. Voilà, les filles d'aujourd'hui veulent faire des belles vies pendant qu'elles ne veulent pas travailler. Mais travaillons, c'est le travail qui paye. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui, la femme peut faire. Tout ce que l'homme fait. Voir le Libéria. Le Libé, il y avait une présidente. Pas dans les autres pays, chez nous ici, il y a des femmes ministres, il y a des femmes directrices. Mais pourquoi pas ça, les filles se donnent à la prostitution? Pourquoi? Nous sommes en Guinée. Nous ne sommes pas dans les autres pays. Mais mon frère, vous vous trompez pour ça, pour cette sujet. Soit disant que toutes les filles qui s'habillent là, c'est les hommes qui leur donnent. Mais non! Il y a certaines filles, ils ont leur métier. Le fait que vous dites que actuellement les jeunes filles d'aujourd'hui aiment l'argent facile, aiment s'habiller comme les hommes d'aujourd'hui. Mais non, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Certaines, après les cours, s'ils sont élèves, après les cours, ils parlent dans leur travail. Oui, j'embrasse. Certaines vannes aussi. Oui, j'embrasse. Alors là même, les filles sont débattues plus que les hommes. Non. Parce que. Une fille, quand une fille t'aime comme ça, il t'aime réellement, elle sait qu'elle t'a beaucoup aimé, elle peut te soutenir. Mais là, les hommes, il n'y a pas ça. Quand tu dis à un homme, donne-moi ça, il va dire, rentrons dans la maison d'abord. Il profitera de toi. Oui, parce que... Parce que les hommes ne connaissent plus maintenant l'affaire de l'amour, aimer. Ça dépend si de qui pas... Non. Ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Qui sort aujourd'hui, un gars prend ton numéro aujourd'hui, il t'appelle la nuit. Demain matin, il t'appelle encore, tu demandes les crédits. Passe-moi 10 000, passe-moi 50 000 francs de crédit. Après demain, tu lui demandes un service. Mais l'amour n'est pas lié à ces services, Jean.
Il y a un adage qui dit, quand on aime, on accepte tout. Si tu aimes une femme là, quel qu'en soit ses problèmes, tu l'accepteras. Mais quel qu'en soit sa pauvreté, tu l'accepteras. Tu oublies que nous les hommes aussi, on a une famille. On a une vie. On doit faire vivre nos parents aussi. Moi, ma maman, elle est vivante. Je dois donner à elle. J'ai mes soeurs, ta j'ai maman mon père. Ta maman est vivante. Mais même vous, prenons l'exemple sur vous. Tu ne peux pas dire que tu ne sois pas avec une fille. Donc, tu ne gaspilles pas pour elle. Mon frère, ça, c'est un chiffre. Oui, je peux gaspiller. Est-ce que tu as donné l'argent à ta maman? Non, mais je donne. Est-ce que tu as donné l'argent? Il y a un homme, surtout les hommes d'aujourd'hui, là, quand ses parents leur demandent, donne-moi ce vendeur, ah, maman, nous t'avons entendu là, ceci, c'est la chaîne, pas d'argent. Il préfère les donner à la fille là. Ça, c'est oui, pourquoi? Oui, mais pourquoi? Parce que. Parce que ta maman ne t'intéresse pas. Non, pas ça. Pas ça. Ceux qui font ça, ce sont les hommes inconscients. Ce sont les hommes inconscients. Ma maman avant tout. Mon papa avant tout. Je ne peux pas priver mes parents en donnant à une fille pour une satisfaction sexuelle. Je ne le fais pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mon frère, vous êtes dans ça. Même hier, il y avait une fille qui vous a appelé. Oui. On était assise. Oui. Elle t'a demandé de l'envoyer l'agence au Orange Money. Mm-hmm. Tu es allé. Tu es allé chercher pour la dormir. Tu sais, c'était quelle vie? Eh, c'était pas ta maman. Non, c'était quelle vie? Et pourtant, le lendemain de ça, ta maman t'avait appelé de l'envoyer. Attendez, ma famille. Tu as dit à ta mère que tu n'as pas d'argent. Ma relation. Le mois n'est pas fini. Ma famille. Quand c'est une fille maintenant. Donc les filles sont plus élevées que vous. Non, ma famille ne se résume pas à ma maman seulement. J'ai mes soeurs. J'ai mes nièces. Mais selon votre parent, j'ai mes tantes. Selon votre celle qui m'a appelé pour un service, est-ce que c'était ma nièce, ma maman, ma tante ou une de mes parentes? Mais mon frère, je ne suis pas sous. Oui, mais. Je ne suis pas sous. Bien sûr. Lorsque la dame, là, votre maman vous a appelé, tu as dit directement: allô, maman, c'est comment? Ah, ta maman a dit qu'elle est malade. De la transférer un peu d'argent. Non, ne te trompe pas. Tu lui as dit que tu n'as pas. Parce que le mois n'est pas fini. Mais comme il s'agit d'une fille. J'ai toujours soutenu ma maman. Comme il s'agit d'une fille. Je ne te trompe pas, j'ai toujours soutenu ma maman. Pourquoi la fois passée maintenant, tu as refusé, tu as. J'ai pas refusé, j'ai fait. Et j'ai fait, arrête de mentir. Parce que tu lui dis. Accepte la vérité. Accepte de mentir. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, ma maman ne vit pas. Elle est morte, ça fait très longtemps. C'est que tu vois, tu es en train de mentir. J'étais eu. Tu es en train de mentir. Non, j'étais eu. Parce que comment? Oui. J'étais eu, quoi? Comment? Parce que tu dis que la personne qui t'a appelé, que je ne savais pas si c'était ta maman ou quoi. Mais pourtant, tu avais dit à la dame: allô, maman, hey, papa, il va bien? Ah non, mon frère, non. Non, mais attendez, ma maman, c'est pas ma maman, c'est pas maman biologique seulement. Non, hein. Non. Nous, les sousous, que je connais, je ne peux pas parler des autres ethnies, mais moi, nous, les sousous, la maman, ta maman, la maman, les amis de ta maman, ou bien les co-épouses de ta maman sont tes mamans. Ah, ok. Comme c'est ta malade, pourquoi maintenant elle? Non, arrête ça, c'est pas de ce sujet là nous sommes. J'ai dit, pourquoi vous acceptez de vous vendre pour juste pour avoir des besoins et refuser de travailler? Pourquoi? La question. La question revient à vous aussi. Non. Parce que les jeunes hommes aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ni rien, même de vendre, ni rien, sauf pour kidnapper les jeunes filles. On ne peut pas travailler. Pour kidnapper les on gens, retirer leurs objets, leur téléphone, leur sac, l'argent. Tout ceci, c'est là, tout. On ne peut pas travailler. Vous on êtes devenus maintenant des bandits. Quelqu'un qui ne peut pas travailler, tu lui demandes. Tu lui demandes un service encore. Ça, c'est un fouillanté. Là, tu ne sais pas là où il a pris l'argent là. Non. Si c'est Kanda, là, si c'est des sous-sous, dit qu'on a pas le Kanda. Moi, je sais que tu n'as rien, je te demande. Parce que le matin, tu peux les voir assises là-bas. Ils ne font rien sans préparer de la taille et mentir là-bas. C'est-à-dire parler dans l'affaire politique. Non. Surtout quand tu parles dans les choses là, les kiosques là, dans les bars, tu ne verras que. Presque les pères de famille. Ça, c'est un manque d'emploi. Un manque pas. Non. C'est un manque d'emploi. Mais il y a je ne suis pas d'accord avec toi. Certains refusent. Certains refusent. Et ceux qui refusent là, vous vous battez encore pour prendre le peu qui gagne. C'est 10 000 francs qui doit prendre le déjeuner là. Toi, tu viens, tu récupères ça. Là où il prend ça, tu le sais. Je ne sais pas, mais là où il prend ça, tu le sais. Il a volé, tu ne sais pas. Une femme qui vend, une femme qui donne son corps pour de l'argent n'a pas de dignité. Une femme qui donne son corps pour de l'argent n'est pas digne. C'est ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire tout. Tout ce que l'homme fait, la femme peut faire tout. Mais pourquoi vous refusez de travailler seulement, aller dans les restaurants, aller dans les maquis, dans les hôtels, dans les
boîte de nuit pour aller retirer et pagailler avec les garçons. C'est que là, nous sommes quoi? De même pied d'égalité. Pied d'égalité. Parce que quand on prend l'exemple sur les hommes mariés là, alors là même, non. C'est très bizarre parce que quand tu te penses à ça, je ne pense pas si tu vas te marier. Tellement que le comportement des jeunes hommes aujourd'hui, non. Bon, quand okay. tu te penses maintenant, à ça, parlons tu vas maintenant, te marier. Parlons maintenant là. Parlons maintenant entre hommes et femmes. Quels sont les comportements, quels sont les comportements des hommes que tu n'aimes pas? Et qu'est-ce qui prouve que vraiment l'homme là, nous les hommes là, nous sommes hors compétition? Tu peux me dire? Oui. Bon, ok. Bon. Je t'écoute, je ne dis rien. Mais si je commence à te parler là, toi aussi, tu ne vas pas me répondre. Si tu me réponds, on va bagarrer ici tout de suite. Parce que je suis de tout en sérieux. Tu comprends? Mais mon frère, merci, tu m'as pas demandé à mon ami. Oui, je t'écoute. Parle maintenant les hommes. C'est que j'ai quand tu finis, je parle. C'est que j'ai dit. Alors là, les hommes m'ont dit non. Quand tu connais leur comportement, je ne pense pas si tu vas même, si tu vas même parler d'eux. Tellement que c'est bizarre. C'est un homme marié que tu vois. Il sort avec une autre fille. Il y a sa femme à la maison. Pourquoi ça? Pour que la femme qui se trouve à la maison ne vous satisfait pas. C'est le maîtresse. Donc je vous laisse connaître la réalité de ça. Pourquoi les hommes font ça à l'heure là? C'est le maîtresse. Les maîtresses de qui? De l'homme en question. Non, 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 non. N'attrape pas nous les hommes maintenant là. Je t'écoute. Alors là, même si tu vois un homme vieillard, ça trouvera qu'il sort avec une fille. Okay. Mais pourquoi ça? Pourquoi vous n'êtes pas fidèle? Nous ne sommes pas fidèles. Envers votre femme. Nous ne sommes pas fidèles. Hein? Nous ne sommes pas fidèles. Si tu sais que tu n'es pas prête à te marier, fallait pas. D'accord. Tu as fini? Je peux parler? Je suis à l'écoute. Les femmes d'aujourd'hui. Pas travailler. Les femmes d'aujourd'hui, les fonds de terre, ça c'est fini. La Guinée aujourd'hui, je parle de ma Guinée, hein. La Guinée est devenue aujourd'hui le pays le plus grand exploitateur des fonds de terre. Mm-hmm. Aujourd'hui, la Guinée. Mm-hmm. Juste pour vous les filles, mm-hmm. pour nous séduire. Un homme 40, quel que soit ta maîtrise, comment, quel que soit, c'est-à-dire l'effort fourni de ne pas être séduit pour une fille, par une fille. Si la fille te dépasse, sa façon d'habillement là, ça t'excite. Même des fois, quand tu as pris l'ablution pour aller à la mosquée, une fille te dépasse, tu es obligé de reprendre l'ablution. Vous, aujourd'hui, nous les hommes, on s'habille bien. On a des corps nous exposés. On est bien entretenus. Mais vous les femmes aujourd'hui, vous marchez dans la rue nue. Vous marchez, vous n'êtes plus naturel. Aujourd'hui, celle qui est noire aujourd'hui, demain, elle est plus claire que l'homme blanc. Mais j'espère que tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Je t'ai laissé parler. C'est ça que les hommes aiment. Non. Parce qu'elle est là. Moi, je. C'est votre parole, ça. Tu dis, quand une fille, elle est noire là, c'est que tous ses comportements sont noirs. Alors là, vous ne pouvez pas. Des filles qui sont noires, sauf de telles claires. C'est pour cela que la femme se rend belle. C'est pour cela qu'elle se rend belle. C'est pourquoi vous utilisez les produits cosmétiques. Ça, c'est votre parole, ça. Sinon. C'est pourquoi vous utilisez les produits cosmétiques. Sinon, on dit, nous sommes des noirs. Nous sommes des noirs. Mais pourquoi sois des fier de ça. Ça, c'est à cause de vous. Sois fier de ça. Ça, c'est à cause de moi, vous. Moi, un jour, un ami, aujourd'hui, tu peux voir un homme, quand tu es noir là. Il dit, ah, Marina, ou alors, Marina, ou tu es femme. Comment? Mais c'est votre parole, ça. Si tu n'es pas le teint clair, même si tu es vilain, mais si tu es clair, non, tu vas avoir des garçons qui se courent derrière. Franchement, toi, j'ai pas non, fini. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai pas fini. Tu n'as pas fini, mais laisse-moi parler. Quand j'ai fini la blague, tu peux le faire. Vas-y, je suis à l'écoute. Merci. C'est votre question. Les femmes aujourd'hui, vous vous habillez bizarrement. Vous vous habillez bizarrement. Dieu a oublié les filles. Le prophète Mahomet, il a oublié les filles. C'est ici que tu veux voir la fille d'un cadre religieux. Elle s'habille en panne, en robe, bassin. Elle sort avec sac. Dans son sac, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les mini-jupes. Excuse-moi très fort, hein. J'ai trouvé une fille, une femme religieuse un jour qui sortait dans un motel. Elle est sortie, j'étais assis. Avec une amie à côté, c'était pas une copine, mais une amie. Elle est tranquille. Elle est venue, elle s'est habillée en religieuse encore, elle est partie. J'étais déçu. Et je ne dis pas parce que je veux parler. Tout ça, c'est le comportement des femmes.
Dieu aujourd'hui là, si Dieu veut pas détruire ce monde là, ça compte de vous les femmes, on va détruire. Ah bon? Oui. Ah bon, allez là, les filles, les garçons, nous sommes de même pied d'égalité. Et puis tu as dit, tu as tous à un point là-bas. Donc je voulais ratifier là-bas. Soit disant que toutes les femmes que tu trouves aujourd'hui portent un sac à main. Mais ça, ça chiffre. Quand on te dit une fille porte un sac à main, ça veut dire que chaud. C'est pour aller seulement faire les choses bizarres. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Avoir tendre un sac à main. Toi, tu ne connais rien. Non. Avant, les femmes marchent avec les calepins. Exemple. Juste pour leur exemple. Ah ouais, exemple. Pourquoi ta femme maintenant marche avec un sac à main? Moi, ma femme, oui? Sac à main. Oui? Jamais. Yeah. Elle sort avec calepin. Pourquoi? Son bédou, hein. Son bédou. Là où nous les hommes, on appelle bédou. La femme, elle marche avec son calepin. Calepin, tu mets ta carte. Non, mon frère, mais sac avec maquillage, la femme, femme, je ne suis pas d'accord. Mais je dis quelque chose. Nous sommes en 2019 aujourd'hui, hein. Nous sommes en 2019. D'ici 2022, tu verras les femmes en marche. Donc, si je comprends bien, tu veux parler que... Tu veux dire que... Enfin, les femmes qui portent les sacs à main là, ça veut dire que il n'y a rien dedans que sauf les mains. Non, ce n'est plus sac à main, hein. Hein? Maintenant c'est sac à bras. Hein? Actuellement c'est pas la. C'est, mais ici, prends, ici pour deux. Tu prends comme ça. Parce que ici, c'est ici pour deux. Maintenant en 2022, tu verras maintenant, ils vont marcher avec les sacs à dos. Non. Après 2024, c'est avec les sacs de voyage. Mais quand tu me demandes aussi, là je ne suis pas d'accord avec toi. Disant que quand tu tiens sac à main avec toi, ça veut dire qu'il y a maquillage, il y a tout. Non, je me suis il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a un voleur qui a volé un jour le sac d'une fille là qui partait. Qui... Ah, mon frère, j'étais il. Était... C'est un homme, non? Oui, tu non. Vois? Tu vois? Des femmes volées. Tu vois? Oui, mais volées. Vous avez bien précisé ici. Oui, vous avez dit, il y a un homme qui a volé le sac. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que les hommes ne volent pas. Les hommes volent autant que les femmes. Parce que quand tu vas dans les marchés, tu verras que les femmes en train de frapper des femmes encore qui sont venues voler les condiments. De n'importe quoi. On a sciemment vu. J'ai dit, le gars, le voleur a volé un sac d'une fille, pensant qu'il y a de les dollars ou des millions qui sont dedans. Tu sais ce qu'elle a vu, ce qu'il a vu là-bas? Non. Les sillons gauches, les maquillages, seulement, plus les pantisses. Mais quand tu me demandes, quand votre femme là, en partant à la cérémonie, parce que tu ne peux pas dire que ton sac là peut remplir tout d'argent. Non. Parfois, ils mettent les choses, les habits. Tu n'as pas trop c'est pour... C'est ici, tu peux voir une fille comme pour...